Oh, il y a un tronc de plein là-bas. Ah non. Ah non, c'est un pont. Ouais. Non, non, c'est juste un pont. En passant sous le pont, là, ça va être difficile. Mais c'est faisable. C'est complètement faisable. C'est sûr qu'il y a, et il y a de la place pour et pour mettre plusieurs trois peut-être qu'il vient d'avoir plus, mais ça m'étonnerait. Je suis passé sous le Après, premier, mais pas sous le deuxième. L'arbre, il a dit. Ah, je suis même pas passé. je sais que des fois l'habitat elle est un tout petit peu là-bas différente de la du Juriel des fois. Ouais. Je sens combo x5. Bête à À cornes. quoi ça sert d'avoir un avion si tu roules au sol? Ça sert à faire du razzmat. Le pont, droit devant, on passe en dessous. Monsieur. Ouf, je me suis pris la bagnole. Moi, je me prends tous les pots, tous les. Tous les lampadaires. Je suis passé en dessous le pont. Moi je trace. Je trace et je te fais des bisous. J'espère que je donne pas le tournis aux gens. Bah moi, ça serait pire. Moi, je coupe pas très bien. Mais moi, genre, pour couper à travers, je coupe à travers, genre vraiment. Ah, t'as quand même un petit principe qui fait. Hop là, non, faut remonter un petit peu. Ah oui, le bateau. Ouais, hop, l'avion. Pas mal le truc de formation. Ouais, pas mal, hein. Je trouve bien, moi. Ah, j'adore me cracher. The Black Key. Tu m'étonnes pourquoi j'adore cette musique. Y avait la même dans le coin. Chemical Brother, ouais. Vingt-quatre kilomètres.
Allez hop, on passe au-dessus du petit terrain là. De la petite bordure de terre. Ça passe! Ça passe! Ça passe. Oh, ça passe! Ça passe. Mais non, mais ça passe! Mais va te faire foutre! Mais oh. Comprends-tu ça? La baraque est à 40 km en fait. Oh merde. T'es sûr? Bah non, voilà. Bien de ce côté-là. Non, à la 20 km, à Manéron. Ah non, non, c'est juste que j'avais pris la voiture. Et là maintenant, mais je travaille. Je traverse à bas l'océan, en bateau. Moi aussi, je suis en bateau là. Allez hop. Tranquille. Mais faut pas avoir mal au dos. Vu vu les fois que le bateau il saute. Ah oui. Tu vois le bonhomme comment il est secoué. Et encore, j'en ai essayé des plus rapides. Lui, ça va. Hein. Ouais. À côté des autres. Hein. Oui. Là, sur les joysticks avancés, ça te fait baisser plus qu'autre chose, par contre. Non, non, tu accélères, tu mets tous les gaz. Ah oui, si tu appuies dessus. Non, si tu le fais baisser, bah tu montes les gaz à fond. Ah oui, si tu le mets vers le bas. Oui, oui. Bah non, mais si tu veux mettre... mais si tu veux mettre vers le haut, ça ralentit plutôt. Là, je te comprends. Oui, j'ai vu ça. Je vois ça là, je commence à comprendre comment il fonctionne le jeu. Bah moi, moi il y a pendant quelques minutes, je faisais comme ça. J'appuyais pas sur le joystick. Et quand j'ai vu, ah oui, ça va plus vite, d'accord. Oui, sur le coup, je me disais, mais attends, mettre vers le haut, ça va me faire aller moins vite. Mais non, c'est pas vers le haut, c'est vers le bas. Par contre, il dégage la flotte. Hein. Ah, ça c'est clair. Hein. Ah bah, il balance, hein. Si tu veux remplir tes bouteilles d'eau, c'est bon. Vas-y. Mais t'en fais beaucoup, hein. Ouais. Énorme. T'as intérêt d'enlever le sable. Non, bah le sel après, parce que sinon, ça va être mortel. Ah bah ça va te faire de l'eau salée. Ouais. Félicitations, vous avez amélioré votre hit ami, d'accord.
Wouhou! Pense à regarder la réserve et tu auras peut-être eh ben, du loot, le mec il me dit. Eh bien, azimut au-dessus de la flotte. Pense acheter un œil à la réserve de temps en temps. Tu trouveras peut-être du loot. Voilà, il vient de me le dire aussi. On a failli se rentrer dedans quand même. On est des malades. Drift à l'envers. Et ça existe, hein? La preuve, rien. Non, mais je le fais. T'es descendu, mais je t'ai vu descendre. On arrive. Ouais. L'atterrissage va pas être très léger, hein. Ça fait boum. Il n'a pas été léger du tout. J'ai pas eu le frein du tout, moi. Il y avait une course dans le coin. Lucine, ou un siège de bébé à l'arrière d'une des bagnoles? Tu sais, plein de pilotes maintenant ont bien des voitures de course et une familiale. Du coup, ils utilisent la voiture de tous les jours. Tant qu'il n'y a pas un bébé dedans, tout va bien. Le Coconut Groove. Tant qu'il n'y a pas de bébé dedans, tout va bien. Comme il a dit. Ah, cette voiture elle est trop bien, en plus elle est bien décorée. J'adore cet endroit. Ici, tu peux te détendre, changer de tenue, modifier l'apparence de tes véhicules ou n'importe quoi d'autre quand tu conduis pas. Je sais pas, ça doit bien t'arriver, non? Enfin, tu verras.
Jette un coup d'œil, elle est énorme cette baraque. Regarde-moi ça. Ça doit bien t'arriver. Ouais, des fois. Mon bateau est bloqué. C'est ici qu'on garde le bateau. Allez, juste, je mets ça, moi. J'ai oublié que ça coûtait des bucks. Coûtait des bucks, ça. Merde. Ah, voilà, les pièces. Ah oui, j'avais pas fait les capots et tout ça, hier. Ah si, le tuning il est présent, c'est juste que j'ai pas fait attention hier. Ah bah c'était la ouais, fatigue. Parce que Manterham disait qu'il y avait pas de tuning, que tu pouvais pas tuner ta voiture comme tu voulais, que c'était nul, c'était de la merde, ce croûteux, c'est de la merde, on préfère ce coin. Mais non, en fait, y'a. Donc Manterham racontait de la merde. Tout à fait. Non, ça fait pas par contre, capot, vu les couleurs, je peux pas avoir plus de choix que ces couleurs. Moi, je trouve la musique qu'on a actuellement, je la trouve bien. Bah, c'est tip top, hein. Je le dis. Hein. Par contre, tu peux pas tourner tout autour, c'est chiant. Attends, voilà, calme ça, voilà, j'ai trouvé. T'es obligé que mon terrain il va trouver quelque chose à redire sur la voiture. Hein. Pour l'instant, ça va. Mais comment il dit ça? Pour l'instant, ça va. Un aileron comme ça, ça fait trop minable. Bah, je vais laisser mon petit aileron que j'avais mis. Sauf que ça, en alu, je vais le mettre en noir. Ouh, celui-là, fait... Non, ouais, celui-là. 4 piles. Pas grave, j'en ai 100 déjà. Le mec genre comme ça. Juste pour l'or et azur. Voilà. Ah, j'aime bien mes gros poids à l'arrière. Laissez-moi mes gros poils arriver. Tu peux changer la couleur de ton frein. C'est un petit peu poussé. Hein. On se retrouve dans les premiers
Avant Need for Speed, bah, tu pouvais faire ça aussi. Dans Need for Speed Underground. Ouais. Je le sais parce que je l'avais fait sur l'Xbox. Xbox, ouais. La Xbox première du nom, la toute première. La Karine. Avec IA, je l'ai pas tuné comme ça parce que j'avais pas déjà et j'avais pas beaucoup de bugs et je pensais à faire des cascades avec la vie. Je pensais qu'à ça. Ouais, tu pensais surtout pas à faire des améliorations et tout comme ça. Donc forcément qu'après, eh ben, ça vient dire qu'il n'y a pas d'amélioration alors qu'en fait on n'a même pas testé. Je vais mettre celui-là. Est-ce qu'il y a le Bluetooth? Ouais, c'est bon. La couleur de l'intérieur. Direct au levier de vitesse. Hein. Et bien zoomé. Hein. Hop, le style. En même temps, je trouve que ça fait bien. Mettre celui-là. Moi, du gris métal, je passe au noir. Ça, c'est sûr que là, on va pas voir l'aile qui va se décrocher et tu vas pas voir le moteur et tout ça. Oh, c'est nul! Au moins, c'est ça qui fait la différence entre le 2 et le 1. Tu vas pas voir ta voiture qui se répare sous tes yeux? Non, et non quand t'es dans le garage, là. Quand tu vas dans le moteur et tu vois toute la carrosserie qui s'enlève et puis reste que le moteur et les ronds. Ça dehors. Ouais. Moi je suis déjà ressorti avec ma bagnole. Ah oui, la bouche d'air, je me disais qu'il y avait quelque chose, mon terrain. Il manquait. Celle-ci, 4000, rien à foutre au pays. Ma voiture, enfoiré. Mais toi, les rétroviseurs en noir. Wouhou. Prends, je les ai mis. Ah oui.
J'ai déjà tout mis. Elle est bien comme ça. Mais bon, je propose qu'on se dise au revoir là. Hein? Qu'on se laisse ici et qu'on se retrouve une prochaine fois. Bah, quand le jeu est sorti. Ouais, quand le jeu sera sorti ou pour les prochaines vidéos de Far Cry 5 ou de. Tout à fait. De nos séries solo si on en reprend une. Parce que moi, déjà, je vais reprendre. Moi, je vais sûrement reprendre ma série de Need for Speed. Moi, je vais sûrement commencer. Comment ça s'appelle le jeu? Detroit Become Human. Enfin, Detroit Become Human. Parce que ce jeu, tout simplement, ce jeu m'intéresse. Ah oui, il est excellent. Et en plus, le pire, c'est que Mantera, lui, a vu la fin. Mais moi, pas encore. Donc, je ne suis pas spoilé. Et je me suis fait guac mon propre bateau. Voilà. Atterrissage en douceur. Et c'est ce que j'appelle en douceur. On va se foncer dedans. Là. Mais du coup, hein, si vous avez aimé, le petit pouce bleu, le petit partage. Tout à fait. L'activation de la cloche pour recevoir toutes oui. Nos notifications. Et sur ce, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Oui, à plus. Et bisous.